Je suis en train de lire ce livre passionnant. Les grands, grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Dans ce livre, eh bien, on découvre pas mal de femmes qu'on ne sait pas. Alors, Marie Curie, bon, ça, ils n'en parlaient pas beaucoup parce que Marie Curie, c'est l'une des seules femmes de l'histoire dont nous parlons. Mais je ne savais pas qu'avant la loi salique, il y a eu des reines au pouvoir en France. Oui. À l'époque où c'était encore des peuples, des lois. Et j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à connaître des femmes que je ne savais même pas l'existence. Pour les résistantes, par exemple, on en parle de deux, voire trois, hein, les plus connues. Et on a l'impression que ce ne sont que des hommes, sinon. Bah non. Il y a aussi pas mal de femmes. Elle en parle dans ce livre. Elle essaye de faire ce que moi-même j'essaie de faire aussi, mais elle le fait très très bien. Alors l'auteur c'est Titiou Lecoq. Alors bravo à elle pour ce livre, qui est mon nouveau livre de chevet, hein, n'est-ce pas? J'adore ce livre. Et en ce moment je fais, vous savez, les femmes d'exception sur TikTok, et il y a pas mal de références là-dedans. Bah oui. Et je suis content d'avoir pensé à acheter ce livre. Je sais plus comment je l'ai pu. Non, très bien. Voilà, ça part sur l'évolution, sur ça remet en avant des femmes oubliées. Ça parle. Eh bien, comment on a décidé de l'oublier et d'oublier les femmes. Comment les hommes ont pris le pouvoir. C'est ça. Pouvoir pour, eh bien, pour effacer les femmes. Alors, dans certains domaines, je le savais. Par exemple, dans le cinéma, je savais que, avant, vous savez, le cinéma avant Hollywood, tout ça, eh bien, c'était mené surtout par des femmes, vers les années 1900. Cinéma, notamment en Amérique, avant Hollywood, tout ça. Et après, Hollywood est arrivé, et les mecs les ont foutus dehors. Ça, je le savais. Et la plus grosse productrice, réalisatrice de l'époque, eh bien, a fini pauvre. Presque à la rue. Voilà. Non, je suis... Voilà, alors, pour tous ceux qui veulent vraiment connaître l'histoire, alors, je vois tout de suite ce que vous risquez de dire, certains d'entre vous. Non. Ce n'est pas une version. D'accord ? Cette personne a fait des recherches. Voilà. Alors, il y a d'autres livres. Voilà. Elle a fait de vraies recherches. Voilà. Parce que, oui, on nous cache beaucoup de choses. À l'école, on ne sait pas tout ça. On ne connaît pas ces dames qui sont là-dedans. Non? On dit qu'il n'y a eu que des rois en France. Enfin, voilà. Quand on parle de Marie Curie, on parle de Simone Veil. Voilà. Et peut-être une troisième et encore. Sinon, c'est surtout les hommes qui ont fait l'histoire. Enfin, dans ce qu'on apprend. Et c'est vrai que moi, j'ai eu encore un commentaire, il n'y a pas si longtemps que ça, où un gars qui disait, si, c'est arrêter de faire des reproches aux hommes, on a tout fait. Ce qui n'est pas juste. C'est pas juste.
Voilà, alors, pour toutes les féministes qui me suivent, je vous conseille de le lire, ça vous fera du bien. Et même si vous voulez vous faire plaisir en lisant un bon bouquin, c'est pas un roman, c'est pas une bande dessinée, mais c'est excellent. Maintenant, je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous pour une prochaine série, très bientôt. Qui est Navo Avéchal Grobec.